Et également, en plus de cinéma, Louis de Funès a aussi. Ah, je suis bloqué là. Ouais. Ça va pas. Il faut aussi rappeler que Louis de Funès avait quand même la popularité assez, assez énorme. C'était. Comment dire ça? Ah, tiens, imaginez. Également dans les années 70, Louis de Funès a tourné dans plusieurs films populaires, surtout des comédies en particulier. Je pense notamment à La Zizanie d'Annie Girardot. Et je me suis trompé, et puis voilà. Action! Donc en supplément du. Oh. Notamment, on peut citer le film Hibernatus, qui est basé sur cette pièce de théâtre du même nom, et surtout Oscar. Également, on a aussi les. Ah, je suis bloqué. Je suis bloqué. En 75, ils se marient ensemble et les deux personnes forment une belle alchimie musicale, une harmonie foudroyante, notamment avec. Oh. Oh merde, c'était bien. C'était bien. Ouais. Dans les années 80, Michel Berger s'est fait remarquer par son côté engagé, notamment auprès de. Ma blonde. À Sadistica, on s'en rappelle. Ça va, j'ai bien coiffé. Oui, c'est impeccable. Ceci était donc un reportage consacré à Louis de Funès. Donc je vous dis donc à très bientôt pour de futures émissions.